toutes. Voilà, la Tahiti Pro 2019 est terminée avec cette belle victoire de l'Australien Owen White. Mais avant de vous parler de la finale, revenons sur les quarts et les demi. C'est parti. Les grosses séries de vagues sont encore présentes pour le début des quarts de finale. Jadson André, le Brésilien, place la barre très haut pour l'entame avec une vague à 9 points. Owen Wright réplique avec une vague à 10 points, à rien de moins. Après 35 minutes de plaisir pour les yeux, Wright voit juste, il se glisse dans des tubes profonds et se qualifie pour les demi-finales avec un score total de 19,07 points. Difficile de faire mieux. Jadson André, qui n'a pas démérité, concède la manche avec 16,67 points. Je me sens super bien, c'était de bonnes vagues pour commencer avec de jolis tubes qui ont valu 10 points. Je savais que Jadson serait difficile à battre, il charge du gros et évolue dans du tube profond. Mais j'ai eu la chance d'avoir de meilleures vagues. La houle diminue pour le deuxième quart de finale et de manière radicale. Il ne reste que peu de belles vagues que Jordy Smith, le Sud-Africain, s'approprie. Son adversaire, Adriano de Souza, récolte les miettes. Sans difficulté ni surprise, Smith rejoint les demi-finales. Fini les belles vagues pour le troisième quart de finale. La meilleure de Gabriel Medina atteint 6,50 points. Pourtant, cela suffit contre Jérémy Flores, qui avait ouvert le score avec une timide vague à 2,50 points. Il ne marque rien d'autre, le Français est éliminé. Je savais que Medina allait prendre des 5, des 6, c'est un peu son jeu. Mais pour le battre, il aurait fallu que je chope une plus grosse vague, une vague de série, et j'ai attendu toute la série, elle n'est jamais venue. Et j'ai pas vraiment de regret parce que je pense que c'était la tactique pour battre Medina qui est le meilleur sur cette vague. Mais là où c'est dommage, c'est que j'aurais aimé quand même surfer un peu plus, quoi. Et là, il n'y a vraiment pas eu de vague. Du coup, c'est décevant de perdre comme ça, mais c'est comme ça. On va se souvenir de la belle journée d'hier et essayer de passer à autre chose. La houle revient pour le dernier quart de finale. Caio Ibelli, encore un Brésilien, s'incline avec les honneurs face à Seth Moniz. Le Hawaïen rejoint la demi-finale avec un score total de 15,60 points. Caio Ibelli ne regrette rien, il est très fier de son parcours. C'est la troisième fois que je viens ici. Je suis arrivé il y a quelques jours pour m'entraîner. Et j'ai été si chanceux d'être hébergé par la famille Vast. J'ai été tellement bien accueilli que je pense que je leur dois mes victoires. J'aime Tahiti et Tahiti même. Mais avant de passer aux demi-finales, petit clin d'œil à une série bonus. L'un a gagné à Terre Hoop Haut en 2004, l'autre a gagné en 2007. Ils sont tous deux nés le 6 juillet 77 et s'appellent tous deux Hopgood. Ces frères jumeaux, vainqueurs tous les deux ici à Tahiti, ont demandé une faveur, pouvoir se mesurer dans la même série sur la vague de Havet. Faveur accordée par la WSL, les Hopgood ont ainsi pu prendre quelques vagues pour enfin déterminer qui des deux était le meilleur sur ce spot. Did
you think for a second I would not realize. Verdict, même si les deux champions sont excellents sur la vague de terre hoop haut, c'est Damien avec le Lycra Mauve qui gagne la série. Reste à savoir maintenant si CJ, que l'on voit ici, demandera une revanche dans le futur. Après ce petit interlude familial, retour à la compétition avec les demi-finales. Premier à se qualifier, l'Australien Owen Wright, vêtu du lycra jaune, qui avec une vague à 8 points et une autre notée 7,67, met KO le Sud-Africain Jordi Smith, portant le lycra mauve. Malgré tous ses efforts, le meilleur score de Jordi ne dépasse pas les 6. Il doit s'incliner. Wright réussit une deuxième année de suite à atteindre la finale sur le spot de Haven. Dans l'autre demi-finale, on retrouve le Hawaïen Seth Moniz au lycra mauve qui fait son entrée cette année sur le tour professionnel. Le Hawaïen, peu habitué du spot, ne score qu'une vague notée 5. Son adversaire, un poids lourd du tour, le Brésilien Gabriel Medina, double champion du monde en 2014 et en 2018, deux années pendant lesquelles il a aussi gagné à terre ou pro. Ce spot, il le connaît bien et son surf s'en ressent. Il ne fait qu'une bouchée du nouvel arrivant et se qualifie pour la finale. En attendant la suite de la compétition et le moment tant attendu des finales, nous sommes allés voir Ben, le chiropracteur de la WSL, l'homme qui murmure aux articulations des surfeurs. Plus qu'un soigneur, Ben est un ami. Chiropracteur de profession, il est le référent pour les surfeurs en cas de bobo. Là, il y a le pouce maintenant. Là, ici, dedans. Ouais, par là. Ça, c'est L4 aussi. Hira vient pour un problème de cheville. Comme la plupart des surfeurs, il a des pieds et des chevilles trop raides. Un véritable handicap pour ces glisseurs qui ressentent la vague au travers de leurs appuis. Ils ont des mouvements répétitifs et c'est aussi un certain manque de discipline et manque de conseils bien dirigés. Donc moi, je fais beaucoup de travail sur les pieds. Par exemple, j'ai un surfeur qui vient après. Lui, je vais faire une séance que les pieds. Ah, ok, il y a un petit peu de restriction à cette cheville-là, tu l'as foulée hein, au football un peu. Ouais, ouais. Avant de manipuler, Ben effectue des tests pour détecter l'origine du problème et en déduire la solution la plus efficace. Dans les priorités chiropratiques, on veut toujours savoir quelle est la qualité de connexion entre le cerveau et le corps. Du coup, on fait des tests avant et après les séances pour savoir où on va. Extension du poignet, regarde là. Flexion du poignet. Et ce côté-là, maintien, je tire, quel fort. Tu as l'œil, c'est renforcé aussi. C'est le même racine. Après une demi-heure de manipulation, Hira est comme neuf. Se faire manipuler au bon endroit et le fait qu'il m'explique bien comment ça se passe, je peux même moi sentir que je sais que je peux aller un peu plus loin dans mon surf
être beaucoup plus performant. Hein. Donc c'est important, c'est très important. Hira a désormais compris l'intérêt du chiropracteur. Il reviendra bien plus souvent avant et après chaque compétition. Et le chiropracteur, on est le plus occupé parce qu'on n'a pas besoin d'attendre une blessure. On peut agir en pas forcément en prévention, mais en optimisation, d'où l'utilité d'un chiropracteur dans cette équipe. Et on garde le dos droit pendant qu'on se baisse. Ben est présent sur la compétition depuis 2011. Il est désormais indispensable. On va tourner. Du coup, tac et tac. Retour sur la compétition et cette finale qui oppose Oren White à Gabriel Medina, un remake de 2018. L'Australien prendra-t-il sa revanche ou le Brésilien remportera-t-il sa troisième victoire ici à Tiopo? Tout de suite en images. Comme en 2018, on retrouve ainsi en finale l'Australien Owen Wright en jaune contre le Brésilien Gabriel Medina ici en mauve. L'an dernier, c'est Medina qui avait pris la première place. Cette année, Owen Wright veut ainsi prendre sa revanche et fait tout pour ça. Malgré une bonne vague, notée 7 points, Wright redouble d'efforts pour décrocher une meilleure note. Sa persévérance s'avérera payante. Après un 10 sur 10 en quart de finale, un 8 sur 10 en demi-finale, il décroche un 7,90. Puis une seconde vague quasi parfaite, notée 9,17 sur 10. Wright touche les étoiles du bout de ses ailerons et inscrit son nom au palmarès des vainqueurs de Tiahupo. Une belle revanche sur 2018, mais aussi sur la vie. En 2015, une fracture du crâne avait failli lui coûter la vie. Aujourd'hui, il figure parmi les 10 meilleurs surfeurs du monde. J'ai adoré les grosses vagues cette année, je suis super content des conditions de glisse. J'ai dû avoir un 10 sur 10, Gabi aussi a eu un 10 sur 10, on a pu se retrouver en finale. C'est vraiment spécial, honnêtement je suis un peu fatigué là, ça a été des journées longues avec tellement de vagues, je suis juste fatigué mais tellement content. J'ai pleuré de joie et c'est juste énorme. Grâce à cette victoire, Owen Wright gagne 4 points au classement du WCT et prend la 8e place. Mais au fait, quelle est la différence entre WCT, WQS et ISA? Réponse avec Hira Terinatova. Alors, ISA c'est quoi? C'est International Surfing Association. Celui qui veut être champion du monde aux ISA, ça se passe sur une seule étape, en une semaine, 34 pays s'affrontent. Champion du monde ISA, c'est uniquement sur une étape. Je tiens à préciser que ce n'est pas une compétition uniquement réservée uniquement aux amateurs. C'est confondu amateurs, professionnels, les meilleurs surfeurs d'un pays. Rifara Tautini, qui est le premier Tahitien à gagner un titre ISA champion du monde face à Kelly Slater. Pour être champion du monde de WCT, c'est plus compliqué qu'un champion du monde ISA. Ça se passe sur un an, 11 étapes. Les 9 meilleurs résultats sont retenus pour obtenir un classement à la fin de l'année. Seul notre Eito Michel Bourrez fait partie de ce tour. Pour accéder au WCT, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut passer par les WQS. C'est des tours qualificatifs qui se passent également toute l'année. Là, 200 surfeurs vont s'affronter. Kaolivast, Bihimana Brahe, O'Neill Massin fait partie de ce tour qualificatif. Ils espèrent monter dans les 24 premiers pour se qualifier avec Michel Bourrez l'année d'après. Vous l'aurez compris, ISA c'est une étape, WCT c'est une année.
11 compétitions, les 9 meilleurs résultats by Toto Michel. Théopo nous a offert du beau spectacle cette année, avec du gros swell et des sessions épiques. Ce qu'on peut dire, c'est que la Tahiti Pro 2019 restera dans les annales. Nous avons été très heureux de partager ce moment historique avec vous, mais ce n'est pas fini, puisque nous nous retrouvons pour une page spéciale best-of, dimanche 1er septembre à 19h25, sur Polynésie la Première bien sûr, la chaîne du surf. What's the word with I got it, whom you believe, mom? Tell me what's the word with I believe in love and since now. I told a girl you all my life, but he was born at night. The afternoon, the afternoon, maybe call it after night. Roses, red as blood, hell paradise. Cups of the wine, club paradise. But we rock so loud, it's like a green day. So if I die today, remember me like green day.